Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va être du gameplay parce que on va se lancer dans la première semaine de la confrontation estivale. Donc cette confrontation, donc là on va avoir, comme vous le savez, donc c'est les boss rush, c'est un ensemble de boss rush où pendant 5 semaines on va avoir du coup des boss rush pour récupérer des lunettes et ces lunettes, enfin derrière, vous, si vous avez les 5, vous allez pouvoir entrer dans la difficulté Oméga. Faut savoir que du coup, vous pouvez faire dans toutes les catégories, enfin j'imagine. Et du coup, ces boss rush du coup dureront tous 55 jours. Sauf que, enfin en tout cas, non. Disons que là, par exemple, celui-là dure 55 jours. Celui d'après, aura le même timer que celui-là, c'est-à-dire avec 8 jours de, avec 7 jours de moins, c'est-à-dire avec 48 jours, etc. En gros, le truc, c'est que 56 jours, ça amène jusqu'au 23 septembre. Et le 23 septembre, en fait, c'est la fin. Donc, ça veut dire qu'en gros, le 2 septembre, il y a la difficulté Oméga qui sort. Donc, ceux qui ont toutes les lunettes, ils pourront le faire. Mais ceux qui ont, genre, qui galèrent sur un des boss rush et qui donc, ne peuvent pas entrer dans la difficulté Oméga, le pourront grâce... disons qu'ils auront 3 semaines en plus. En gros, il y a 3 semaines où vous avez toutes les quêtes, vous avez les 5 premiers boss rush et le dernier, l'Oméga, qui sera disponible dès le 2 jusqu'au 23. Et le 23, tout part d'un coup, si vous n'avez pas terminé, c'est votre problème. Donc nous, on va terminer le épique, hein, les autres, je les ferai petit à petit. Donc on va aller voir un petit peu les difficultés. On va aller voir les difficultés et on va prendre des champions pour les battre. Alors... Donc déjà, on a 6 persos, comme d'habitude. Et donc, là, nous avons la chose. Ah oui, d'accord. En gros c'est... oui, c'est ça. En gros, c'est les 6 personnages, à partir de 2019. Donc, en gros, normalement, dans celui d'après, ça sera Annihilus en premier perso. Annihilus, Torch, Ronin, Calobsidian, Ebonimo. Et le boss, ça sera... Femme invisible ? Non, Namor. Ouais, c'est Namor d'abord. Ouais, ça sera Namor le boss. Ok, original. Enfin voilà, et du coup, ça va aller jusqu'au dernier personnage sorti. Donc, ici, on n'a pas grand-chose sur lui. Donc normalement, ils vont tous avoir des bandes. Lui, il doit avoir sa cinétique et tout, bien sûr, avec la petite rage toxique. On aime bien pourquoi mon téléphone se tourne, c'est très chiant. Ok, bon, lui, on va prendre Thor, je pense. Là, il va falloir qu'on prenne un truc anti-avoc. Avec effritement d'armure, bien évidemment. Donc, on va prendre Colossus. Là, on aura Torch également. Donc, on va prendre Torch. Ouais. Ouais, on va prendre Torch. Nick Fury avec poignardé, ajustement tactique. Ok. Et pour ça, on va prendre Doom, normalement. Alors, je pense qu'il n'y aura pas trop de difficultés, hein. Donc on va prendre Torch, on va prendre Colossus, on va prendre Doom. Il faut prendre un truc pour battre Nick Fury. Sauf que Nick Fury, en théorie, Colossus peut le battre facile. Du coup, je peux pas prendre Corvus. Parce que, bon, en vrai, Corvus, il me servira pas à grand-chose là-dedans. Donc on prend Doom. On prend Torch. On prend Colossus. Colossus, il est où Colossus ? Là. Ensuite, il faut un truc pour... Donc là, on a un truc pour Diablo Double, on a un truc pour Mission Fantastique, on a un truc pour Avok, on a un truc pour Captain, il nous faut un truc pour Nick Fury, donc potentiellement un autre mutant. Bon, pourquoi on ne prendrait pas la petite Domino, hein. Autant prendre un petit 6R3, et en plus de ça, ils ont une petite synergie. Là, il y a une petite synergie de pouvoir, ouais, pourquoi pas. Domino, et il va nous rester un truc pour le premier perso, c'est la chose. La chose, on peut y aller avec un peu tout, hein, au final. La chose, on va pouvoir y aller avec un peu tout, mais je vais y aller avec... Sentinelle ou Spidey Furtif ? Oh, Sentinelle. Sentinelle, ça va le faire. Allez, on va y aller comme ça. On va regarder. Donc, moi, de toute façon, en vrai, ils ont surtout des bornes appliquées au personnage. Au final, il n'y a pas de grosses bornes qui, genre, va changer le gameplay et tout contre le personnage. Donc, au final, ça va juste être des trucs précis pour le personnage. Genre, Avok, faut avoir des armures pour contrecarrer Avok. Donc, si vous avez... Enfin, il y a effritement d'armure, quoi.
Enfin, c'est plutôt logique au final. Donc là, furet amélioré, adaptatif, main lourde, immu renforcé. Donc là, on va pas pouvoir. Je crois qu'on va pas trop pouvoir le contre-attaquer derrière son attaque puissante. C'est pas trop grave. Je vais pas vous mentir, c'est pas trop trop grave. Là, on va gagner nos charges d'analyse, quoi qu'il arrive. Ah oui, je peux pas le contre-attaquer. C'est pas grave. Hop, on va lui donner sa barre de pouvoir comme ça. Hop, voilà. Donc là, on est déjà à 64. Et après, on va lui faire full speed 2, quoi qu'il arrive. Dès qu'il n'y aura plus la protection. En vrai, je suis un peu déçu, je vais pas vous mentir. Toc. Ah, ça met à 14. Ah, c'est pas ouf. Pas vous mentir, je suis un chouïa déçu, encore une fois. Donc on va devoir taper un peu dans sa garde de façon passive. Hop, je pense une troisième fois et ça passera. Voilà. On va y retourner. Ah, c'est un peu long, mais bon, tant pis. Tranquille. Ah putain. Ah, il y a la protection. Pourquoi? Ah ouais, putain, il est en speed 2. Ouf. Ah ouais. Ouais, là, là, forcément. Forcément, oh bah oui, je tape après l'irrésistible, forcément, c'est beau. Bon, allez, tu nous le fais, voilà, on va terminer, parce que là, au bout d'un moment... Hein, au bout d'un moment, c'est un peu relou. Pas te mentir, poteau, c'est un peu relou. Voilà. Bon, un peu galéré, hein, sur ce la chose. Hein. Un peu relou, mais enfin... Le timing des fois était pas bon, enfin le timing des passages à 15 était pas bon, vous avez vu, j'ai dû forcer dans la garde et tout, enfin c'est pas trop trop normal de devoir forcer comme ça et tout. Donc. Voilà. Alors, torche. Bon, on a même pas, je crois qu'on va même pas besoin avoir besoin de passer en Nova, hein. Très franchement. Ok. On aurait peut-être eu besoin de passer en Nova, en fait. Ah ouais, putain. Ah oui, c'est dans son détermination redoublée. Ah ouais, putain, j'ai pas fait. Ah ouais. Nul. Nul. On aurait eu besoin de passer en Nova, en fait. C'est une détermination redoublée que j'ai pas du tout gérée, en fait. On va voir si ça passe. Si ça passe pas, tant pis, je vous commencerai, hein. Ah putain, c'est pas possible, mais pourquoi il l'a... Attendez, il peut pas les boire tout seul ces trucs. Il les boit uniquement là. De toute façon, il peut pas en boire, il est toujours dans son truc. Enfin, là, regardez, il peut pas en boire, pareil, c'est toujours la même. Donc c'est impossible qu'il la fasse. C'est ça que je comprends pas en fait. J'ai pas trop compris pourquoi il en a gagné une tout à l'heure, et même là, j'ai pas trop compris pourquoi. Là, vous voyez, là par contre, faut que je fasse gaffe. Parce que là... Il peut. Voilà. Et là, je vais me faire avoir derrière. Comme un enfoiré. Là, il peut pas. Ouais. Pas été incroyable hein, là-dessus. Hein. J'ai pas été incroyable. Je vais pas vous mentir. Bon. Un peu ridicule d'avoir perdu torche là-dessus. Hein. Un peu ridicule. Bref, c'est pas grave, en vrai, j'en fous. Allez, Colossus sur le Havoc. Donc, contre Diablo d'Havoc, en vrai, j'aurais... Normalement, c'est un mystique, y a pas besoin de passer, mais en vrai, c'est le détermination redoublée, en fait, qui m'a mis dedans. Le détermination redoublée, il m'a un peu fait chier. Là, il me saoule aussi un peu, parce que le problème, c'est que si tu fais pas tes spé, poteau, évidemment, ouais, il y a main lourde. Hein. Faut que je fasse reculer un peu. Ouais, d'où il lance une attaque puissante comme ça? Il est chelou, lui.
Il est chelou. En fait, on peut même pas le reparade. Super ça. Bam. Ça va taper. Voilà. Ah, il n'y a pas de crit. Jamais contre-attaqué derrière un truc de la voc. On kiffe. Ouais, faut faire gaffe aux mains lourdes en fait. C'est vraiment le main lourde qui fait chier. Et hop, on finit. Ouais, c'est juste le main lourde en fait. C'est vrai que j'avais pas pris en compte qu'il y aurait également main lourde sur lui. C'est plus chiant en vrai que sur la chose, sur le la chose. Bon, c'est moins embêtant. Mister Sinister, bon bah du coup on va y aller avec Sentinelle, hein, du coup on va y aller avec Sentinelle, comme on a plus Torche à la base, ouais, bah en vrai lui il serait vraiment bien passé avec Torche, il serait vraiment bien passé avec Torche, mais bon il va bien passer également avec Sentinelle normalement. Ah et par contre il y a comment ça s'appelle, Fléau de puissance. On va faire full spé 1 de toute façon. Bam! Allez, tu peux y arriver. Oh, je vais le perdre. Ah, je vais le perdre. Allez. Je lance mon spé 1 tout de suite parce que sinon. J'ai même pas envie de balancer mon. J'ai même pas envie de balancer mon spé... enfin mon truc parce que le problème c'est que. Le problème c'est qu'il fait pas son spé quoi. Ah là je vais le perdre. Ah oh, je vais le perdre, j'aime pas du tout son spé 2. J'aime pas du tout son spé 2. Pourtant j'avais l'impression de bien l'avoir dex, mais visiblement un chouïa tôt. J'aime pas du tout son spé 2. C'est pour ça que je veux lui faire faire son spé 1, mais bon, il veut pas le faire, donc c'est pas grave. Je me suis dit, allez, on lui enlève des vies en priant qu'il le fasse pas. Je puisse le contre-attaquer avant. Malheureusement, à un moment, il l'a fait. Non, c'était pas avec Doom que j'avais appuyé. Ah putain, problème de connexion. J'avais appuyé sur Domino. On s'en fout, ça change rien, mais. Mec. Les mecs. J'appuie sur un truc. Faut le prendre en compte. Voilà, bon. Bon, c'est pas incroyable en vrai. Bon, c'est la mise en jambe, on va dire. C'est la mise en jambe. Voilà, je suis allé tranquille comme ça. Je sais même pas d'ailleurs les récompenses. Connais même pas les récompenses. Je ne connais même plus les récompenses. La Nick Fury. Oh, le coup critique parfait pour commencer comme ça. Respecte-le, j'ai pas le droit de taper. Allez, fais ton CD2 là, tu ferais kiffer, hein. Ah, elle a pas crit. Voilà, hop, SP2 et c'est terminé. Oh, tu crites presque pas là, Domino. Hein. Tu crites pas! T'es décevante! Je te le dis, hein, t'es décevante. Tant pis, hein. Tant pis, c'est moins marrant. C'est moins marrant, tu crites pas. Et donc là, on va terminer avec Doom, hein, tranquillement.
tranquillement. Bon, du coup, mon torche a pas été, a pas servi beaucoup. En vrai, j'aurais dû passer en Nova, c'est le détermination redoublée qui m'a défoncé. Parce que du coup, en théorie, il m'aurait pas tué, hein. C'est juste qu'il y avait, pourquoi il m'enlève? Ah, bah, ah ouais, elle est passée. Ah ouais, elle doit avoir une borne qui augmente ses, ouais. Elle doit avoir une borne qui augmente sa capacité à me faire ça. Une borne qui doit faire que, du coup, bam. Bam. Voilà. Bon, bah c'était facile. C'était facile. Bon, je vous dis facile, j'ai quand même perdu deux persos. Mais franchement, ça va. Hein. Pas trop trop dur. Je pense que même avec mon deuxième compte, je vais peut-être mieux m'en sortir. Parce qu'en vrai, la chose avec Elsa, tranquillou. Ah, pas mal, les 6000 éclats 6, ça fait plaisir. 500 éclats. Enfin, 6000 éclats 5, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. En vrai, je tenterai peut-être sur le troisième compte. En vrai, il y a peut-être moyen, ça peut être marrant. Ça peut être marrant. Donc, faites-les dans toutes les difficultés. Je pense qu'on peut le faire en toutes. Voilà, bon. Voilà. C'est tellement. En fait, c'est tellement tranquille que du coup, tu roules dessus, tu perds un perso, tu te dis. Ouais, ok. Et tu continues. Voilà. Donc, il va falloir que j'aille chercher également le maître. Il y a quoi comme récompense dans le maître? 2000. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas? Un cristal légendaire, un truc maître. Et est-ce qu'il n'y aura pas des éclats 5 ici aussi? Genre 1000, par exemple. Pas du tout. Il y a un cristal 4, c'est tout. Enfin, voilà. En tout cas, dites-moi ce que vous pensez donc, de ces quêtes. Donc, normalement, la semaine prochaine, il y aura de Annihilus jusqu'à Namor, en termes de perso. Donc, les difficultés, ça va être principalement Ebonimo et Annihilus. Le reste sera pas bien compliqué. Là, pour le coup, dans cette quête-là, les seules grosses difficultés, ça va être... Les seuls persos défensifs, entre guillemets, ça va être La Chose et Nick Fury. Avok, si vous avez aucun contrat Avok, ça peut être relou. En vrai, il y en a tellement beaucoup maintenant des contrats Avok. Tout ce qui a des armures et tout, ça va. Et, faites gaffe quand même au Diablo Diablo. Hein, faites gaffe quand même avec sa brasse cinétique et tout. Mais en vrai, c'est... Enfin, comme je vous ai dit, quand je combattais, genre... C'était bizarre qu'il le gagne aussi rapidement, genre j'avais à peine mis un combo qu'il l'avait déjà, genre, enfin, je sais pas, ça me paraissait un peu rapide, mais ouais, c'est sûrement moi qui n'ai pas fait attention. Enfin bref, en tout cas, merci à vous, bonne soirée, on se retrouve très très vite, on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 2, et voilà, merci à vous, et bonne soirée, dites-moi, vous, si vous y êtes arrivé, si vous galérez un petit peu sur un des persos et tout, et je vous donnerai des conseils si vous avez vraiment besoin, mais normalement, voilà... Vous avez à peu près vu, enfin, de toute façon, il n'y a pas besoin forcément de faire des gros trucs, genre de dire, oui, alors tel perso, le contre, c'est ça, et tout, genre ça, c'est des persos que vous connaissez. À la limite, quand on va se rapprocher, genre de cette année, genre de 2020, à la limite, là, ça sera un peu plus intéressant, mais c'est vrai que pour les persos de 2019, on s'en fout un petit peu. En tout cas, voilà, merci à vous et bonne soirée.